Ouvre-toi la petite, là. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la 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 tendresse, la 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 tendresse, la tendresse, la tendresse. T'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour. C'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant, j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Et je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Et je m'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Et je n'aime que toi, comme on aime. Je ne le dis pas, je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas.
J'aimerais poser sur ton front mes soleils un peu pâles. J'aimerais être la prison qui protège tes nuits. J'aimerais te donner le nom de la plus belle étoile. J'aimerais perdre la raison, la perdre dans ta vie. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es tout pour moi. J'aimerais tant de choses. J'aimerais tant de fois. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es tout pour moi. J'aimerais voler ton sourire pour ne plus avoir froid. Moi qui n'ai jamais su te dire que tu es tout pour moi. Didier Barbelivien, Marie-Paul Bell, les Frangines, Anne Silla et Christian Di Pipiolo. Ça fait plaisir. Célèbre partenaire. Ça va les filles. Et Daniel. Ça va, Didier. On est trop contents. Ouais. Moi aussi. Toutes les générations qui sont venues rendre hommage à Daniel. Salut. Alors, c'est vous, Christian. Il faut que je le présente. Parce que les cabarets en question, toutes les galères qu'on a pu faire, c'était avec mon camarade Christian Guyot, qu'on appelait Pipiolo. Voyez-vous. Pipiolo. Et on a fait des tas de trucs ensemble, vraiment des galères. Et il était tout le temps là. Voilà. Il était à l'accordéon, moi à la gratte. On faisait la manche, on faisait des cabarets. Juste comme ça, pour se souvenir d'une des toutes premières choses qu'on a fait ensemble, c'était... T'es qu'un môme de la rue, aux yeux un peu perdus, qui se fout de la vie et du temps. T'es qu'un môme de la rue, mais c'est de la voiture, ils étaient comme toi il y a longtemps. Oh là là, mais je vous ai fait quoi, là? Et ça fait marrer, toi. Bah oui, ça me fait marrer. Et alors, parlez-moi de ces trois-là derrière vous, les Frangines, Anne Silla. Non ? Vous avez repris, vous, une chanson de Daniel Guichard. Anne Silla, je suis ce qu'elle fait. Ah, sur YouTube. C'est des merveilles. Vraiment, hein. Elle fait des choses formidables. Mais j'ai bien aimé la version de Faut pas pleurer comme ça. Hein. Ah ouais, c'est top. J'ai hein. adoré ça. Tant mieux. C'est un bel hommage. Et les Frangines, je crois qu'il y a une amitié oui. aussi réciproque. Hein, une ouais. On admire beaucoup, évidemment, ce que vous faites et on aime, on adore. Ouais, je leur ai dit un jour, par antenne interposée, c'était une interview où elle passait, que j'aimais vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'elles font, l'esprit, les mélodies. Il faut qu'elles en fassent encore beaucoup comme ça, vous allez voir. Ça va encore cartonner plus fort. Merci, merci beaucoup. Alors Marie-Paul, et vous, votre amitié date de quand avec Daniel ? De toujours. Elle au piano, on peut passer la soirée, donc c'est pas un problème. Hein. Merci, merci. Merci en tout cas, merci infiniment à tous. Alors Marie-Paul, votre dernier album, Un soir entre mille, est toujours disponible. Merci d'être venu. Les Frangines, votre nouvel album de mise en musique de poèmes célèbres sorti cet été, Le Dormeur du Val, est toujours disponible. Merci à toutes les deux d'être venues. Anne Silla, on retrouve toujours votre album Madeleine et Didier. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France et aux Folies Bergères pour fêter vos 70 ans. Ah oui, 70 ans. Ça sera le 10 mars prochain et on sera là pour faire la fête avec vous. Merci Didier, merci pour ces beaux cadeaux. Merci Marie-Paul, merci Pipiolo et merci les filles. Merci, merci beaucoup. Un très joli moment. Merci de nous avoir permis de voilà. Jusque là, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ouais. Ça y est, on n'est pas fâchés. Vous ne pleurez jamais, hein, vous. Non, tout est intérieur.